Bienvenue à tous dans ce super play de Deathsmiles Mega Black Label, avec un super play qui va se faire en rank 999. Donc bon, pour changer, je voulais proposer un shmup à la place de des jeux de baston. Pour ceux qui comprennent rien au shmup, je vais essayer de faire le plus simplifié possible. Donc Deathsmiles, c'est un jeu qui est sorti en 2007 par Cave. Cave qui a sorti une deuxième version du jeu. L'original s'appelait Deathsmiles et celle-là s'appelle Deathsmiles Mega Black Label. Donc pourquoi la notation Mega Black Label? Parce que le jeu propose un stage en plus, il propose une difficulté en plus et il propose un personnage jouable en plus. Donc là le super play que vous regardez actuellement est donc la version en rank 999 du jeu. Il faut savoir que dans le jeu il y a dans cette version 4 niveaux de difficulté. Vous avez le niveau de difficulté qu'on appelle rank 1 à 3, donc le 1 étant la plus facile et le 3 étant la plus dure. Vous pouvez sélectionner donc les difficultés pour chaque niveau que vous jouez. Et il y a la quatrième difficulté qui est 999. Donc vous voyez, on passe de 1, 2, 3 à 999. Autant dire que le niveau de difficulté a été salement relevé. C'est vraiment l'enfer dans ce niveau 999. Dans Deathsmiles, vous avez donc 9 niveaux. Vous avez 6 niveaux où les difficultés sont sélectionnables. Donc là, on va voir ce joueur qui fait tous les 6 premiers niveaux en difficulté 999. Vous avez ensuite 2 stages qui sont facultatifs et qui sont d'une difficulté qui est toujours la même. Donc, qu'importe le niveau que vous avez joué avant, ce sera toujours la même difficulté. Et vous avez enfin le dernier stage qui, lui, non plus n'a pas de difficulté sélectionnable, mais qui est de difficulté en fonction des niveaux de difficulté précédents que vous avez choisis. Donc là, on va voir que le joueur a choisi le niveau 999 à tous les niveaux. Il va avoir la version la plus difficile du dernier stage. On verra ça à la fin. Bon, voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Hein. C'est pas très évident quand on connaît pas le jeu d'expliquer. Sinon, vous voyez que le personnage que vous jouez sont des petites filles. Il y a un petit animal à côté de lui qui s'appelle un familier dans le jeu. Et vous allez voir que dans cette difficulté, vous avez chaque ennemi qui balance en mourant des boulettes qu'on appelle des boulettes suicides et qui se dirigent directement vers vous. Alors comment éviter ces boulettes? Et bien, la manière la plus efficace, c'est de placer son petit animal devant, l'animal qui a une rotation de 360 degrés autour de vous, et de la sorte, et bien cet animal avale les boulettes, il les cancel. Donc c'est le moyen le plus safe pour s'en sortir. Bon voilà, que dire, bon, je vais vous parler un petit peu aussi du système. Je vais vous laisser voir d'abord le cancel. Donc, vous voyez, les petites boules en croix viennent percuter directement le familier. Et du coup, vous avez évité que les boulettes violettes, en fait. Toutes les boulettes en croix sont cancellables. Pour parler du système de score, bon, ça va être compliqué. Je vais essayer de pas être chiant, hein, pour faire simple. Vous avez un compteur en bas qui peut se remplir à chaque fois que vous accumulez des bonus en tuant des ennemis. Quand ce compteur atteint entre 500 et 1000, il se remplit en jaune. Et donc à partir de ce moment-là, vous pouvez rentrer dans ce qui s'appelle le power mode en activant A et B en même temps. Et vous gagnez beaucoup plus de bonus en power mode. Donc vous voyez que le compteur en bas là, il est en train de descendre, parce qu'à chaque fois que vous activez le power mode, et bien celui-ci, comme un compte à rebours en fait, il retombe à zéro. Donc vous l'aurez compris, le but du jeu, c'est d'arriver le plus vite possible à re-remplir sa jauge de power. Voilà, c'est un peu le système du jeu. On va pas faire trop compliqué, on va plutôt profiter du niveau de ce joueur japonais qui est vraiment ahurissant. C'est pour ça que j'ai choisi ce super play aussi, parce qu'il est très très impressionnant. Hein. Bon, on connaît tous, je pense que la plupart d'entre vous connaissent les vidéos du dernier boss de Mushi Mizama Futari en version God. Là, c'est à peu près pareil, mais durant tout le jeu, hein, pour vous expliquer un peu la difficulté. Donc, on va profiter. Bon, vous focalisez pas énormément sur le score, hein, c'est pas très grave, c'est pour vraiment ceux qui s'intéressent. Mais je voulais vous montrer plutôt le niveau d'un joueur japonais.
qui est immense, comme vous allez le voir. Donc à chaque fois que le Power Mode s'active, vous voyez, hein, ça transforme toutes les boulettes en bonus. Et c'est une autre fonction aussi de Power Mode qui est bien sympa, c'est que ça fait bombe. Hein, donc si vous pouvez activer le Power Mode et que vous êtes encerclé par les boulettes, et ben ça fait disparaître toutes les boulettes comme une bombe. C'est vraiment super pratique. Donc là il est en face d'un boss qui s'appelle Jordan, qui a une tête qui est clouée avec des cornes. Bon, le jeu est sur la thématique d'Halloween, donc faut pas que ça vous surprenne, il y aura pire tout à l'heure, vous allez voir. Et là on tombe sur des patterns qui sont vraiment très très difficiles. Bon, ce boss est en level 999, je le trouve très très difficile, j'ai déjà essayé. Mais on va voir qu'il y a d'autres boss qui sont largement pires dans ce jeu. Donc voilà, hein, je voulais profiter de cette première vidéo pour vous expliquer vite fait le système. On va pouvoir profiter des vidéos maintenant. Et c'est parti, bah, pour la suite directement.